Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Oracles d'Or. Alors, je vous emmène aujourd'hui en Bretagne. Je suis sur le site d'un menhir, le menhir du Champ d'Olan. Alors, tout simplement, c'est un menhir magnifique qui date du néolithique, du début du néolithique, donc à peu près moins 5000 avant Jésus-Christ. La légende, en fait, ce qui me plaisait de vous raconter, c'est cette légende, le diable, qui aurait pris ombrage de la construction d'une cathédrale, la cathédrale de Saint-Sanson, aurait lancé, donc dans la légende bretonne, aurait lancé un rocher pour détruire cette cathédrale. Il aurait réussi à détruire une partie d'une tour et ce rocher serait tombé dans ce champ, le champ d'Olan, puisque nous sommes ici à Mont-Dol. Donc c'est la légende qui explique la présence de ce magnifique menhir. Alors il fait 9,30 m de hauteur et tout simplement, je vous le fais découvrir. Il est très beau. Et je vais m'approcher pour vous le montrer. Alors, je vais tourner la caméra pour que vous puissiez bien le voir. Voilà, 9,30 m, impressionnant. Il est très très beau. Communion de pensée avec vous pour la découverte de ce magnifique menhir du Champ d'Olan. Et je vous retrouve tout à l'heure dans une autre vidéo pour la suite de cette légende, pas des moindres, puisqu'elle va nous parler de la bataille du diable et de l'archange Saint-Michel. Nous sommes sur une terre éminemment croyante et chrétienne. Donc je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.